Salut à tous, j'espère que vous allez bien derrière votre écran. Nous en parlons il y a quelques mois, mais le jeu vidéo, pour moi, peut être considéré comme un art. Un art qui véhicule des émotions. Elles sont diverses, peuvent parfois être très fortes, et vont à l'encontre de certains médias qui diabolisent notre passion. Vous savez le négatif, quand les jeux vidéo sont littéralement pointés du doigt pour tous les maux de la société. Pourtant, s'ils regardent par exemple cette vidéo, ils comprendront que les développeurs, mais également les joueurs, sont capables du meilleur dans le JV, rendre hommage à leur père, à d'autres joueurs, à des événements qui se sont passés, dans des secrets qui sont vraiment tristes mais dotés d'une réelle intelligence et raison. C'est ce que j'avais une nouvelle fois envie de vous proposer pour ce deuxième épisode. Alors ça faisait un petit moment, mais cette vidéo est sponsorisée par la très bonne boutique Kinguin. En effet, il vous sera possible d'acheter vos clés CD sur PC au meilleur prix et où les viewers peuvent également profiter des promotions qui seront vraiment importantes pour le Black Friday. C'est pour ça que je vous la propose ici. Alors faut savoir que c'est super intéressant parce que vous pouvez avoir jusqu'à moins 85% sur vos jeux préférés et il y a de très belles réductions sur les jeux qui viennent de sortir. Ou pas encore, hein. Je prends l'exemple de Cyberpunk que vous pouvez trouver à 43,70€ déjà au lieu des 60 habituels. Vous avez également pour tous les amateurs de gestion Football Manager 2020 qui vient de sortir alors qu'on le trouve à 60 pareil, du FIFA 20 à 38,50€ ou encore des très bons plans comme le Mortal Kombat 10 qui est à 3,70€. Franchement rien que pour ce genre de promo ça vaut vraiment le coup, vous avez un lien dans la description, vous pouvez cliquer pour découvrir un petit peu tout ce que le site propose. Et comme on est généreux je vous offre également une petite promotion sachant que le jeu l'est déjà de 3% sur Star Wars Jedi Fallen Order le dernier qui est vraiment très sympa. C'est tout simple, c'est avec le code Conquerax, donc si vous voulez profiter du dernier épisode de la franchise, eh bien franchement n'hésitez pas quoi. Très belle promo sur le site pendant le Black Friday, mais juste avant Noël aussi si on veut se faire plaisir. Et donc je pense à vous, ce placement, eh bien vous servira peut-être, et ça c'est bien cool. Allez maintenant trêve de bavardage, place au secret, juste après le générique. C'est parti. Hello. Nous allons commencer cette vidéo un peu comme d'habitude, dans l'ordre chronologique des dates de sortie des jeux en question. Et alors, quoi de mieux que de démarrer avec l'excellentissime The Last of Us, dont nous attendons d'ailleurs le deuxième épisode impatiemment, bien sûr développé par Naughty Dog, édité par Sony, une exclusivité qui est juste incroyable. Survival de folie où vous devez survivre à ce champignon qui crée la pagaille, une véritable pandémie, le Cordyceps. Alors là, vous allez voir, c'est vraiment triste, parce qu'à un moment donné du jeu, vous êtes dans les banlieues, et vous allez pouvoir vous balader jusqu'à arriver dans une sorte d'égout. À ce moment-là, vous allez trouver une porte sur votre gauche, vous ouvrez cette porte, vous avancez un petit peu, et puis vous baissez votre lampe torche sur le sol, vous découvrez alors un message des plus sordides et tristes, « They didn't suffer ». Traduction évidemment, « Ils n'ont pas souffert », ce qui laisse imaginer malheureusement le pire. C'est alors que nous avançons un petit peu avec nos personnages dans la pièce, et faisons une découverte des plus macabres. En effet, nous comprenons alors que des infectés ont pu rentrer dans cette pièce, alors que le dénommé Kyle, et vous comprendrez pourquoi, voulait en fait assurer sa sécurité et celle de plusieurs enfants, mais qu'ils ont finalement été pris au piège. Et alors pour ne pas qu'ils subissent de véritables souffrances, Kyle aura dû prendre l'horrible, la très lourde décision de les tuer avant leur transformation, et choisira ensuite de se suicider. Il prendra cependant le temps de gribouiller sur le sol afin que, eh bien s'il y a des survivants, ils puissent être au courant de ce qu'il s'est passé, comme en la mémoire de ses enfants, de ces personnes qui étaient avec lui. Vous remarquerez qu'il a pris quand même le soin et le respect de les mettre sous couverture, pour ne pas afficher la mort. Et c'est surtout via une note que l'on trouvera à côté du cadavre que nous allons comprendre les événements qui se sont passés, la Cordery Note. Cette note va nous détailler la vie de Kyle, d'Ish, mais également de son groupe, à travers l'infection cérébrale de Cordyceps. Il expliquera « Nous sommes piégés. Je pense que tout le monde est mort. Certains des petits sont avec moi. J'ai été infecté en frappant à la porte. Je ne sais pas combien de temps on va tenir. Si Ish et les autres sont en vie, ils peuvent peut-être nous rejoindre. Ils doivent nous rejoindre. Si ça se résume à ça, je vais faire très vite. » Kyle. Je ne vous fais pas de dessin sur l'action qui était prévue dans la phrase « je vais faire très vite », vous avez bien compris. C'est vraiment extrêmement triste et morbide comme fin, hein, surtout quand on connaît la brutalité hein, voilà, de ces infectés dans le jeu. On sait qu'ils se sont réunis et rapprochés suite à une attaque où ils échangeaient des vivres notamment, et Ish avait trouvé cette fameuse cachette secrète hein, où vous êtes actuellement avec votre perso, et a voulu ramener tous les enfants se disant en sécurité, et malheureusement ce ne sera absolument pas le cas, Kyle lui faisait confiance, et il a dû céder, faire le pire ou peut-être le bien quelque part, afin que ses enfants ne souffrent pas. Un historique vraiment des plus malheureux, mais qui résume bien l'anarchie hein, présente dans The Last of Us, cette tension constante et qui est juste extraordinaire. En numéro 2, nous basculons maintenant en décembre 2014. Et vous savez,
à quel point les MMORPG peuvent transporter les joueurs et peuvent ainsi faire qu'il y ait des actions à l'intérieur du jeu qui rendent de véritables hommages à certains joueurs, certains événements. Et même si nous sommes souvent dans les mondes où l'action, la mort et compagnie est importante, certains joueurs peuvent se réunir et créer le meilleur. C'est le cas notamment, vous allez le voir, de dizaines de joueurs dans le MMORPG Final Fantasy XIV. C'est là d'ailleurs que ça me fait doucement rire quand les médias évoquent l'isolement que provoque le jeu vidéo. Les Meporg étant le nom barbare, qui désigne les jeux de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons. Eh bien non, on peut également rencontrer d'autres personnes, de véritables amis, qui peuvent se réunir pour les plus belles actions. Et c'est le cas ici. Vous allez voir, c'est vraiment triste et on va l'apprendre via le forum Reddit, qui décidément regorge de sources et d'informations des plus intéressantes. Eh bien, un joueur régulier, était malheureusement très malade, victime de complications liées à une insuffisance rénale. Et on comprend malheureusement que cette personne très jeune de 29 ans ne va malheureusement pas pouvoir survivre à sa maladie. Eh bien, les joueurs vont commencer à créer un énorme rassemblement, notamment devant le repère de sa guilde, pour rendre véritablement hommage à l'homme, mais également à son personnage, Codex Valda, qui était un barde de niveau 50. Les joueurs ne vont alors pas arrêter de se succéder pendant plusieurs heures, c'est un membre de sa guilde notamment qui le raconte, avec une veillée carrément qui sera retransmise sur le site Twitch jusqu'à la chambre d'hôpital du gamer, avec même sa famille qui sera rassemblée à ses côtés durant ces derniers instants. C'est fou parce que la triste nouvelle, et c'est aussi la force incroyable de ce type de jeu, eh bien va se répandre petit à petit, et c'est sur plusieurs serveurs que nous allons voir de véritables hommages aux joueurs. Des joueurs qui vont prendre leur temps in-game pour veiller eh bien, sur cette personne. Par exemple sur le serveur Gilgamesh ici, où évoluait même un Codex Valda, ou encore sur le serveur Brynhild qu'on peut voir ici, ou Sargathanas. Ils vont même aller jusqu'à recréer une vraie cérémonie virtuelle en utilisant leur pouvoir, qui au fond a une immense valeur, tout autant qu'une cérémonie normale finalement. De plus, le thème principal de Final Fantasy XIV sera entonné en même temps. Après ces adieux déchirants, ces cérémonies, et eh bien malheureusement Codex Valda sera décédé. C'est son ami qui va également le confirmer sur Reddit, et alors là, l'émotion eh bien, s'empara de beaucoup de joueurs, et celle-ci sera réelle et non pas virtuelle. Je voulais quand même le souligner, et ça démontre à quel point le jeu vidéo peut traverser les frontières. Je trouve ça tout simplement magnifique, ce genre dommage. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous parlais de certains médias qui diabolisent un peu le JV, ça me fait doucement rire. En troisième, nous continuons cette vidéo avec ce que beaucoup considèrent comme l'easter egg le plus triste de par son histoire dans le JV. Alors moi, je ne trouve pas, je trouve que des hommages, etc., c'est quand même plus important, mais vous allez le voir ici, c'est en fait une demande qui a tourné très mal dans l'excellentissime Spider-Man sur PS4 sorti en septembre 2018 par Insomniac Games évidemment. Et alors là, nous allons parler d'un certain Tyler Chules qui est un gamer américain et qui est un énorme fan de Spider-Man. Et alors, il a qu'une envie au moment du développement du jeu, c'est de faire sa demande en mariage à sa compagne de la façon les plus spectaculaires. Ils sont ensemble depuis 5 ans à ce moment-là, il veut faire sa proposition au plus grand nombre, que tout le monde puisse voir qu'il déclare sa flamme. Le 10 mai 2018, il va alors tenter le tout pour le tout. Go Twitter, et on fait un petit post pour Insomniac Games, le développeur du jeu, Brian Intihar, le directeur créatif du jeu, et Bill Roseman, de chez Marvel. Et alors là, c'est assez incroyable, et c'est là que je me dis, les développeurs sont juste géniaux. Il va leur demander s'il était possible d'inclure quelque part dans l'open world, dans le New York que propose le jeu, Mehdi, will you marry me? Mehdi, veux-tu m'épouser, en quelque sorte, quelque part, n'importe où dans le jeu. Et alors la chose incroyable, tout le monde va accepter cette demande. Vous avez un accord entre Tyler et le studio qui va être réglé afin qu'il y ait bien cette mention dans la sortie finale du jeu sur PS4. Et ainsi, chose à la fois géniale et folle, vous allez pouvoir retrouver devant l'inscription, la devanture d'un cinéma, la fameuse demande en mariage. Je parle bien entendu dans les premières semaines de sortie du jeu, et vous allez mieux comprendre. Le studio va même demander à Tyler si le fait d'attendre jusqu'au 7 septembre 2018 posait problème. Et lui va expliquer, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, alors je crois bien qu'elle sera toujours là en septembre, hein. LOL.
Eh bien malheureusement, cela ne va être absolument pas le cas, mettant en porte-à-faux les développeurs, mais également la personne, la Maddy en question, qui va en fait se barrer de son couple. Bon alors on retrace un peu le truc, le jeu sort évidemment, il y a plein de gens qui se demandent mais pourquoi cette inscription, cette demande en mariage? Il y a des recherches qui vont commencer à s'effectuer, et alors là on se dit qu'il ne restait plus à Tyler que de faire sa demande en mariage en jouant avec sa compagne face à un écran à Spider-Man. C'était quand même super romantique et super intelligent, je dois dire, hein, que ça vous donne pas des idées, on sait jamais, mais de toute façon, je crois que les développeurs, après ça, ils vont faire attention. Eh bien, le problème, c'est que Maddy ne va malheureusement plus être avec lui. Elle va littéralement le larguer, et attention, ce qui se dit, c'est que c'est pour son frère, et Tyler va l'expliquer via une vidéo YouTube, qui aura fait grand bruit, hein. C'est celle-ci que je suis en train de vous montrer. Alors, dans la vidéo, bien sûr, il va remercier quand même Insomniac Games, et c'est la moindre des choses, d'avoir voulu l'aider pour cette demande en mariage, hein. C'est beau, l'amour, même si c'est véritablement triste ce qu'il se passe au final. Et Jacinda Chu, hein, la directrice artistique du studio, va même proposer à Tyler, ça c'est super cool aussi, eh bien, de modifier son message et lui dire bah, qu'est-ce que tu veux mettre, et lui il décidera en fait de rendre hommage eh bien, à sa grand-mère qui était décédée et donc du coup qui lui avait donné le goût véritablement aux bandes dessinées et donc à Spider-Man aux comics. C'est quand même assez incroyable cette histoire, et dans tous les cas triste, hein, que ce soit un hommage pour sa grand-mère ou quelque part je vais dire cette tromperie ou ce départ en tout cas de la personne alors que Tyler voulait la demander en mariage. Voilà, c'est pas une très bonne fin, et Madison elle lui a expliqué durant divers médias que leur relation ne le convenait absolument plus, etc. Enfin voilà, ça après on rentrera pas dans les détails, mais c'était vraiment pour vous annoncer un petit peu et vous montrer cet easter egg. Et moi je trouve par contre, ce qu'on retiendra, et eh bien c'est Insomniac Games, leur dévouement. Je trouvais ça juste incroyable, comme quoi l'amour peut tout surmonter, même le développement d'un jeu, même si à mon avis ils ne s'y reprendront pas deux fois. Je pense que c'était la dernière fois qu'ils feront ça, hein. Voilà, c'était un beau flop au final. Alors maintenant, place à ce quatrième secret, et c'est vraiment triste, en tout cas dans sa signification, et c'est une nouvelle fois dans le jeu, hein, bourré d'easter eggs, de secrets, Just Cause 4. C'était déjà le cas également dans Just Cause 3, vous allez comprendre. En effet, dans les deux épisodes de la série, il y a plusieurs monuments commémoratifs dans le jeu. On ne sait pas hein, pour qui ils étaient réellement, mais il y a des tombes que vous allez pouvoir retrouver dans certains endroits, et qui rendent, avec leur date de vie et de mort, hommage, bien que ce soit à des proches, enfants et également animaux de compagnie qui sont certainement hein, proches des développeurs. Par exemple, dans l'épisode 3, vous allez pouvoir retrouver une tombe avec marqué Yang Wuxim, 10 avril 1977 au 12 novembre 1993. On pense que c'était un des enfants des développeurs qui était décédé malheureusement à l'âge de 16 ans, et donc c'était un hommage quelque part qu'il voulait lui rendre dans le jeu, même si c'est vrai que ce sont des suppositions et qu'on n'a pas une confirmation officielle. Bah, c'est également le cas dans Just Cause 4. Regardez par vous-même, la plupart d'entre eux peuvent se trouver près des phares de la côte ouest des prairies. Je trouve que ça fait vraiment quelque chose, ça provoque une émotion comme ça, pas de bruit, ces tombes qui sont là, et qui malheureusement n'ont pas de signification officielle pour les joueurs, on n'a pas eu de message expliqué par les devs, ça serait bien d'en savoir plus, hein, peut-être qu'un jour ils nous le diront, mais en tout cas c'est bel et bien ici. Et alors vous avez le mémorial de Maddy hein, qui sera le plus dur à trouver, ce sera dans la ferme hein, de Cueva de Los Susurros, et c'est notamment dans les montagnes de Talada. Et regardez par vous-même, hein, à l'arrière de la ferme, vous avez une clôture avec une petite forêt, et au coin arrière de la forêt, une petite grotte. À ce moment-là, vous allez pouvoir trouver ce mémorial dans la grotte, et notamment un petit chien, donc certainement en hommage à ce chien décédé. Je sais que ça vous avait beaucoup touché, hein, l'histoire du toutou dans GTA V qui se rendait sur la tombe. Et bien là, c'est d'une façon un petit peu différente un hommage qui est fait à ce petit chien. Bon, je conçois hein, cette vidéo, c'est pas la vidéo la plus réjouissante de la chaîne, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant de vous énoncer ces cas qui sont très souvent tirés de la réalité ici. Et justement, pour terminer cette vidéo avec ce cinquième secret easter egg, eh bien, nous allons reparler d'un animal de compagnie qui est véritablement cher à l'un des level designers du jeu Apex Legends. Et oui, Apex Legends, hein, le fameux Battle Royale qui a concurrencé l'espace d'un instant Fortnite. Bon, on va pas se le cacher, Fortnite a repris un petit peu le dessus, mais c'est des développeurs Respawn, et c'est franchement bien sympa, on va pas se mentir. Et bon, à l'intérieur du jeu, pour ceux qui sont les plus observateurs, il y a de véritables easter eggs, et c'est notamment
notamment le cas de petits chiens modèles que vous pouvez retrouver ici à divers endroits de la map, mais également de dinosaures. À trouver dans plusieurs endroits, se trouve également sur la zone du marché de la carte King's Canyon, et vous allez voir que ça va avoir son importance, où notamment ce petit chien façon peluche, etc., est entouré de cadres de photos réelles, et non pas virtuelles, d'un chien effectivement. L'histoire est totalement différente pour ces petits chiens qu'on peut retrouver dans Apex Legends. Et on aura la confirmation via un article de Kotaku qui va être commenté sur Twitter par l'un des game designers du jeu, Jason McCord. Pourquoi ces chiens sont ici? Eh bien, il va lever le voile avec un tweet qui explique « Notre chien de 10 ans est décédé subitement de problèmes de santé pendant que je travaillais dur sur la map King's Canyon. » On y revient. Comme tout amateur d'animaux le sait, c'était un coup dur pour moi, pour mon moral, et cela m'a rendu de nombreux jours difficiles pour venir travailler. On apprendra que le chien s'appelle Shady, et il expliquera « Shady était notre meilleure amie, alors je voulais qu'elle vive dans ce petit coin de la carte. Ça me fait me sentir mieux de visiter cette région de temps en temps. Je vous remercie pour votre lecture. » Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça extraordinaire à la fois, eh bien, que des développeurs, des joueurs immortalisent comme ça, eh bien, des personnes, des animaux de compagnie dans leur jeu de façon finalement eh bien illimitée et universelle. Voilà les potes, hein, cette vidéo sur les 5 secrets les plus tristes du JV eh bien se termine ici. J'espère vraiment qu'elle vous a plu tout autant que la première, parce que pour moi c'était un vrai plaisir comme toujours de vous la proposer, de l'écrire. J'adore vous parler de ces easter eggs, de ces secrets. Vous savez que de toute façon c'est maintenant l'une des spécialités de la chaîne. Comme toujours, hein, bien sûr, si vous avez apprécié le contenu, eh bien vous pouvez vous abonner. C'est juste un petit clic. Je vois dans les statistiques que vous êtes plus de 300 000 spectateurs uniques. C'est énorme. On est 187 000 sur la chaîne. Donc si vous ne voulez rien rater, eh bien c'est juste ce petit bouton, au moins vous avez les notifications. Si vous en voulez encore plus, vous avez même la petite cloche, au moins là vous êtes sûr que même les messages dans la communauté, eh bien vous les avez. Il y a les réseaux sociaux bien sûr, hein, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, pour m'y rejoindre. Bon, on parle de tout et n'importe quoi, mais ça serait un véritable plaisir. Je vous montre des jeux de collection et compagnie. Et puis il y a enfin la chaîne Conquerax Live, la chaîne Twitch aussi, Conquerax, où on revient petit à petit. Allez, après cette vidéo, hein, je vais préparer mes valises parce qu'il y a un petit départ à Bruxelles qui se prépare ce week-end au moment où elle va sortir, et puis ensuite à Paris. Ça va être très intéressant, je vous retrouve très rapidement. Je vous fais des gros bisous, c'était Conquerax au rapport, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.